Bonsoir à tous, je m'appelle Pascal. Ce soir, je vous parle de Markdown, qui est un outil que j'utilise quotidiennement, qui est profilé pour un usage bien particulier, qui est écrire sur Internet. Écrire sur Internet, c'est un peu vaste comme sujet, je vous le concède. Donc je vous propose qu'on aborde ça dans un angle qu'on aime bien, nous, c'est faire un blog post pour dire à quelqu'un sur Internet qu'il a tort. C'est une chose qu'on aime habituellement bien faire. Voilà, j'ai ici un blog post avec un titre, j'ai du gras ici, j'ai tout le monde arrive à lire. J'ai un lien hypertexte, une citation, une liste à puce, tout ce que je veux. Et quand on veut écrire quelque chose sur Internet, habituellement on pense à du HTML. Le HTML, c'est la chose qui vient naturellement, puisque c'est ce que c'est lire un navigateur web. Le petit inconvénient, c'est que c'est pas forcément super facile à lire et à écrire. En fait, on finit par plus s'occuper du code HTML que du contenu lui-même. C'est le problème que s'est posé, en fait, qui s'est posé pour le monsieur qui est à gauche, qui s'appelle John Gruber, qui est anciennement un développeur indépendant, qui est maintenant plutôt un blogueur à la mode dans l'univers Apple, qui son blog s'appelle Dying Fireball, qui s'est fait aider du monsieur à droite que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Aaron Schwartz, qui est décédé, qui était un grand développeur et un activiste de la scène techno, qui s'est beaucoup impliqué dans la création des Creative Commons, la création du RSS, et pas mal la création de Reddit également. Et en fait, ce monsieur-là s'est dit... J'aimerais créer quelque chose pour écrire sur Internet plus facilement. Je veux dire, un outil pour permettre aux gens d'écrire, et plus particulièrement sur Internet. Et ils ont inventé Markdown, donc, qui est la réponse à leurs besoins. Markdown permet un texte qui est facile à lire et qui est facile à écrire. C'est-à-dire que ce soit lors de l'écriture ou de la lecture, ça paraît évident comme ça, mais que ce soit lors de l'écriture ou de la lecture, il faut que ce soit facile. Il faut qu'on ne se pose pas de questions quand on écrit, il faut qu'on ne se pose pas de questions quand on lit. Et pour répondre à ce besoin-là, ils ont inventé juste une syntaxe sur le texte brut. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas inventé un format, ils n'ont pas inventé une application, ils ont inventé une syntaxe qu'on pose sur le texte brut, un peu comme le latex, ce genre de choses. Et cette syntaxe, je vais vous montrer un exemple, si on reprend le blog post que j'ai fait tout à l'heure, en Markdown, voilà à quoi il ressemble. Et en fait, on s'y retrouve. Ici, j'ai en haut un titre, j'ai une liste à plus qui est ici, j'ai un titre de niveau 2 ici, ici j'ai un lien. On arrive à s'y retrouver à peu près. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli d'avoir du Markdown, mais c'est pas forcément exploitable directement par un site web, on est d'accord. De fait, Markdown, c'est deux choses en fait. C'est une syntaxe et c'est un script Perl qui permet tout simplement de prendre un document qui est écrit en Markdown et de le transformer en HTML. Si je reprends mon exemple ici, j'ai mon texte qui est en Markdown, je le fais passer au script Perl et voilà ce qu'il devient. Tout simplement, on a fait un balisage qui est extrêmement élémentaire, et c'est un balisage qui, on va dire que Markdown couvre à peu près 90% de ce qu'on a besoin de faire quand on a besoin d'écrire sur Internet. Je parle bien d'écrire, je parle pas de faire un site web ici. Je parle d'écrire un blog post, écrire un commentaire, écrire une newsletter éventuellement, ce genre de choses. Markdown répond donc à ce besoin et a plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà dans quel éditeur je vais modifier ça. En fait, dans l'éditeur de votre souhait, donc celui que vous aimez bien. Moi, je suis plutôt, alors là, j'ai mis Simple Text parce que c'est très populaire. Moi, je suis plutôt TextMate, mais vous pouvez, c'est Sublime Text, pardon. Moi, je suis plutôt TextMate, mais voilà, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et encore plus, puisque c'est du texte brut, vous pouvez même, quand vous êtes en SSH sur un... Quand vous êtes en SSH sur un serveur, vous voulez modifier un fichier Markdown, il n'y a aucun problème puisque tout est en texte brut à l'ancienne. Et derrière, il n'y a pas de questions à se poser. Il y a aussi des outils comme ByWord qui sont un peu plus sophistiqués, qui sont construits autour de Markdown. Alors ByWord, c'en est un parmi tant d'autres. Vous avez ERWriter, vous en avez plein, beaucoup dans la scène Apple parce que c'est très à la mode dans cet environnement-là. Et ça a beaucoup repris aussi du succès avec l'arrivée des smartphones et des tablettes puisque c'est... pas évident sur un smartphone ou une tablette d'éditer du texte avec des boutons, des machins, sélectionner le texte, etc. Quand on fait tout avec les caractères de base, c'est beaucoup plus simple. Vous avez aussi des outils comme Moo que je vais utiliser ce soir pour vous montrer qui vous permettent d'avoir d'un côté le texte en Markdown et de l'autre côté le texte un peu en WYSIWYG. Et un équivalent sur Windows qui s'appelle MarkdownPad que je n'ai jamais utilisé personnellement et qui, comme toutes les applications Windows, a plein de boutons et de choses étranges. Je vous propose du coup de faire une démo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne parce que ce sera beaucoup plus facile que de vous expliquer chapitre après chapitre. Non, hop. J'ai donc mon fichier Markdown, juste pour vous montrer, normalement je l'avais là, voilà, je l'ai ici en grand en plus. Je l'ai ici et c'est vraiment du coup un vrai fichier en plein texte, là en bas je suis en plein texte, si je passe en Markdown... voilà, là il me fait une colorisation syntaxique et derrière j'ai juste à appuyer là-dessus
hop, pour avoir l'exact document, le même en HTML. C'est pour vous montrer un peu comment c'est fait, voilà, comment ça marche. Donc pour vous montrer un peu l'amplitude que j'ai sur ce langage, enfin sur cette syntaxe, je vais vous montrer un peu. Ici, je suis donc dans MOOC, que je vous ai montré tout à l'heure brièvement, et j'ai ici un titre de niveau 1. Pour faire un titre de niveau 1, je mets un dièse devant. Si je veux faire un titre de niveau 2, je mets deux dièses devant, etc. 3 dièses, 4 dièses, 5 dièses, jusqu'à 7, il me semble. Voilà. Et derrière, à côté, on voit à droite que ça se change en live. Ici, j'ai du texte qui est mis en italique. Pour mettre en italique, on entoure le texte. Alors, ça peut être un mot, ça peut être plusieurs mots, soit d'étoiles, soit de underscore, ça marche aussi bien. C'est vraiment votre choix, comment vous avez l'habitude d'écrire. Pour le mettre en gras, c'est soit deux étoiles, soit deux underscore. C'est pour mettre l'emphase sur un bout de texte, c'est assez élémentaire. Ici, j'ai une liste à puces qui se transforme effectivement en ULLI, on peut la retourner, la voir ici, hop, elle est là. Et c'est une liste à puces. Pour mettre des puces, je mets soit des étoiles, soit des tirets, ça marche aussi bien, je peux les mélanger, hein, c'est pas du tout un problème. Ce qui est important en fait dans les listes, c'est le premier élément. Si je mets par exemple un point, ça devient une liste numérotée, ce qui peut être pratique éventuellement. Ce qui est important vraiment, c'est juste le premier élément. Si je mets un 4 points, ça fait exactement pareil pour information. Il n'y a pas vraiment de possibilité de changer le numéro d'origine, mais c'est pas vraiment le problème. Ici j'ai un lien hypertexte. Le lien hypertexte, c'est super cool. C'est le texte du lien, donc le libellé du lien en l'occurrence, qui est entre crochets, et ensuite l'adresse du lien qui est entre parenthèses. Et après, il y a un autre outil pour faire des liens qui est très pratique, qui s'appelle les références. Si par exemple ici, je ne sais pas au moment où j'écris ce document où se trouve Wikipédia, j'ai oublié, je le retrouverai plus tard, je fais quelque chose comme ça. Ça, ce que je viens de faire, c'est une référence. Cette référence, elle peut se trouver n'importe où dans le document. Elle peut se trouver en haut. Elle peut se trouver tout en bas, c'est absolument pas un problème, du moment qu'elle a une ligne pour elle toute seule. Et en fait, à partir du moment où dans mon document, j'ai à un endroit, entre crochets, le même nom que ma référence, il va me retrouver le lien. Là, si je clique là-dessus, normalement, j'arrive sur Wikipédia, sauf que j'ai pas Internet. On peut également, de la même façon, faire des images. Alors, je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai à nouveau pas Internet, mais il suffit de faire ça, et ensuite, entre parenthèses, soit en utilisant à nouveau une référence, le lien vers l'image. Très facile à faire. Ici j'ai une citation, les citations, alors vous aurez remarqué que en fait toutes ces choses là paraissent évidentes parce que toutes ces règles de syntaxe sont héritées, en réalité c'est des règles de convention qui ont été utilisées dans les mails à l'époque où on échangeait beaucoup des mails, surtout en texte plein, et on le fait encore dans certains domaines. Et ça, c'est effectivement quand on cite un bout de mail de quelqu'un d'autre, souvent on a les chevrons en début de ligne de cette manière, chevron espace, et ensuite je peux continuer comme ça. Voilà, et ça devient de cette manière à côté un bloc code. Ce qu'on fait beaucoup, nous autres aussi, habituellement quand on écrit dans des blog posts, c'est qu'on écrit du code. Là j'ai une super fonction que vous connaissez certainement pas, que je peux coller ici. Alors bien sûr, comme j'ai un dièse include, il me prend ça pour un titre. Mais j'écarte ça d'une tabulation par ligne, ou de 4 espaces par ligne, pareil en fonction des goûts, faites ce que vous voulez. Et ça devient un bloc pré-code. Donc c'est du pré-formaté, donc si je mets un soldling, ça devient un soldling ici. Alors que vous aurez remarqué, j'espère, que ici un soldling n'a pas d'incidence. Juste un soldling, ça fait un espace en fait, comme dans un document HTML. Ce qui permet, quand on travaille avec des éditeurs de texte qui n'ont pas de line wrap, de faire ces soldlings sans que ça bousille complètement, sans que ça dicte vraiment le format du texte. Si je veux faire un paragraphe, il me faut juste un soldling entre. Ici, là, j'ai fait un paragraphe. Et si je veux faire un BR, je fais deux espaces, un seul ligne, et là, j'ai juste un seul ligne, ça ne me fait pas un paragraphe. Si je veux également mettre du code en inline, c'est aussi possible, avec des backquotes qui sont là, voilà. Hop, ici, ça me fait du code, une balise code, en fait, pour ce document-là. Voilà à peu près tout, et bien sûr, donc ça couvre une grande partie des besoins, mais si vous avez encore besoin d'autre chose, il est toujours possible de faire du HTML en Markdown. Il sera juste pas parsé, il sera recopié tel quel par le script, c'est absolument pas un problème, il sait le reconnaître, et il sait s'en sortir. Voilà. Markdown, c'est à peu près ça. Moi, je m'en sers personnellement beaucoup pour écrire des newsletters, je m'en sers pour écrire des mails. Avec Gmail, ça paraît pas évident, mais en fait, il y a un plugin qui permet d'écrire en Markdown directement dans un champ texte type Gmail, et de faire un clic droit, toggle, et hop, ça devient du texte riche.
Et c'est facile à écrire à peu près partout. Le fait est que vous en servez certainement déjà sans le savoir, parce que si vous avez écrit sur GitHub, les README de GitHub ils sont en Markdown, sur SourceForge, sur Stack Exchange, les échanges ils sont en Markdown, Tumblr permet d'écrire en Markdown, Reddit, les commentaires sont en Markdown, WordPress, il y a un plugin Markdown pour le faire. Et si vous utilisez un outil comme ByWord, vous pouvez tout à fait uploader directement des articles en Markdown. Et Jekyll, je l'ai rajouté là, c'est un moteur de blog qui fonctionne en statique et dans lequel on met directement ses documents Markdown et il les parse automatiquement, il les transforme automatiquement en page HTML à partir du format qu'on lui a donné. Voilà, moi je m'en sers tous les jours, j'espère que vous aurez l'occasion de vous en servir et que vous aurez appris quelque chose ce soir et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux refaire du live coding au besoin. Moi j'en ai une. Alors, probablement, je ne sais pas, par exemple. Sans le savoir. Non, mais tous les jours, c'est en train de choisir bien. Ouais. Maintenant, j'ai une question que je vais avoir comme réponse. C'est il y a un précurseur avant qui faisait exactement la même chose, qui avait un autre nom. On a fait Mardin, on a un peu réinventé la roue. Non, bien sûr. Ou l'autre a réinventé la roue, je ne sais pas lequel était le premier. C'est celui du GitWiki. Exactement. Quel est l'intérêt, quel est l'avantage, quel va être les bons? Je pense que c'est juste une histoire d'usage. Markdown, ça a été inventé, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est en 2004. Et ça devait être, je pense que c'était à peu près en même temps que la syntaxe de MediaWiki, qui était basée à peu près sur les mêmes conventions, parce qu'il y a des trucs qui se ressemblent énormément, hein, tout ce qui est, est gras, tout ce qui est titre. D'ailleurs, les titres, on peut aussi les faire en mettant des soulignés comme ça, ou en comme ça pour faire les gros titres. Il me semble qu'il y a des choses à peu près similaires dans MediaWiki. Mais oui, les deux se ressemblent. Après, l'avantage de Markdown, c'est qu'il est... tu peux l'utiliser partout, puisque à partir du moment où tu as le script Perl, tu l'intègres dans ton workflow et tu craches tes documents HTML de cette manière. Je pense que c'est juste pour ça. Ça a été fait dans ce besoin-là. MediaWiki, ça a été fait plus pour vraiment faire des documents un peu plus, peut-être un peu plus massifs, où tu as une vraie syntaxe de tableau et ce genre de choses. Après MediaWiki aussi, hein. Moi j'ai jamais trouvé de wiki de marque différente qui avait exactement la même syntaxe identique, alors que Markdown pour le coup il est vraiment... Et elle est documentée. Et il y a en plus, après il y a quand même des extensions, il y a Multimarkdown qui permet de faire les tableaux notamment, dont je me sers très très peu. Il y a Markdown Extra qui permet de faire aussi des trucs assez avancés. Ouais. Mais le Markdown, enfin l'essentiel de Markdown, il est extrêmement bien documenté, il a un script Perl qui va bien et... Puis de toute façon il y a plein d'implémentations. Voilà. C'est pas un souci. Mais non, je sais pas pourquoi et comment et quel est le... Copier, on peut toujours écrire du HTML simple qui sera en vie. Voilà, il y a un petit élément d'histoire aussi, c'est qu'avant MediaWiki, il y avait le wiki de Cunningham, qui prédate de quelques années, et qui était extrêmement simple et qui vraiment correspondait à Markdown. MediaWiki, c'est vraiment l'idée qu'il fallait enrichir pour les besoins de Wikimedia, de Wikipédia et de toutes les variantes. Il fallait vraiment enrichir, donc c'est aller vers les tableaux, vers l'inclusion de maths, etc. De la même façon que Stack Exchange a décidé de, au contraire, de restreindre Markdown, d'empêcher le HTML, de faire des choses, et même de faire une variante suivant qu'il y a les commentaires, qu'on est dans les commentaires tout à fait. Ou qu'on est dans les textes principaux. Exactement. C'est ce que fait un peu GitHub aussi. Oui, tout à fait. D'autres questions, oui? Tu parlais de l'extra Markdown, ça fait quoi? Alors Markdown Extra, il rajoute la possibilité d'avoir des blocs de code formaté en fait, au lieu de mettre les espacements, en fait tu les encapsules un peu comme sur GitHub avec des tildes ou des apostrophes à l'envers, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, la côte, ouais, merci, et du coup ça permet de pas t'embêter avec tous les espacements, etc. Donc pour ça c'est assez pratique, t'as les tableaux, je sais plus ce qu'ils te rajoutent, mais du coup c'est pas mal utilisé sur les plugins WordPress, quasiment tous les plugins WordPress se basent sur PHP, Markdown Extra, et du coup c'est la syntaxe de base, donc du coup moi je l'ai découvert en le mettant en place sur le blog de Solac par exemple. Et pour les blocs de code, c'est juste beaucoup plus pratique que les espacements, parce que les espacements, quand tu as beaucoup de lignes de code, c'est quand même assez chiant. Pas de questions? Vous n'avez oui. pas peur que les versions GitHub et Stack Overflow prennent le pas sur le Markdown aujourd'hui? C'est un peu, hein, de toute façon, pareil. Après, c'est des extensions, donc du coup, ouais. Le pire est qu'il y a 2-3 trucs qui ne sont pas d'accord sur ce qu'ils rajoutent, mais finalement, ce qu'ils ont rajouté, c'est minime, c'est juste voilà, comment encapsuler du code, comment faire des tableaux, c'est pas des choses que. C'est juste ce qu'on fait souvent, parce que nous, en effet, on est développeurs, mais c'est pas le cœur de métier de Markdown, si tu veux. Donc en soi, la syntaxe de base, ils la toucheront jamais. Elle est définie où, cette syntaxe de base? Elle est sur le site de Daring Fireball, en fait. T'as la syntaxe de Markdown. Cherche Markdown de syntaxe, ouais, elle est bien documentée. Ce que je veux dire, c'est que potentiellement, on pourrait être amendé pour prendre en compte ces modifications. On pourrait la faire évoluer aussi.
Le Markdown est de mémoire, je sais plus sous quelle licence il est, mais il est normalement en open source maintenant. Est-ce qu'il peut être amendé, modifié? Mais si tu l'amendes, tu ne seras plus du Markdown parce que tu ne seras plus compatible avec les moteurs. Enfin, C'est ça, l'idée, du c'est de coup, faire évoluer, d'avoir des versions différentes. Enfin, il y a toujours des choses qui Oui, c'est vrai. Mais ouais, mais pour le Effectivement, ce qu'a ajouté GitHub et Stack Overflow, ce n'est pas pour rien finalement. Ça ne complexifie pas le truc. Mais ils n'ont pas touché vraiment. Pour moi, Markdown, c'est vraiment le cœur de base. Et ça, ils y touchent pas parce qu'ils savent qu'il ne faut pas y toucher. Une fois, c'est les extensions. En effet, ce serait bien qu'ils standardisent comment faire des tableaux, comment faire des blocs de code complexes, etc. Ce serait bien que tout le monde ait la même. Pour le coup, ils se mettent à peu près tous d'accord parce que dans Extra, c'est la date de syntaxe et une des syntaxes, c'est celle de GitHub par exemple. Parce que voilà, il n'y a pas non plus 36 millions de caractères spéciaux que tu peux utiliser dans une syntaxe de ce type-là. Donc après, ils se mettent vite d'accord quand même, je pense. Une question, je crois. Moi, je recycle parce que j'utilise beaucoup Markdown Clear, Ouais, oui. qui est l'extension. L'extension navigateur, ça marche à peu près tous les navigateurs. En fait, dans n'importe quel espace qui porte le je sais pas quoi. Le texte riche, enfin, je sais plus, mais c'est dans les espaces de texte riche façon Gmail, quoi. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne à merveille. Ouais. En plus, c'est customisable. Donc, t'as une interface, tu peux mettre ton thème à toi. Ça marche très très bien. Et du coup, c'est quoi? C'est une extension Chrome, Firefox, Oui, à peu près tous les navigateurs. Et etc. tu écris ton texte en Markdown, par exemple, moi je m'en sers dans Gmail. Tu écris ton texte en Markdown, tu fais ton copier-coller depuis ton éditeur de texte en Markdown directement dans ton truc. Et tu fais clic droit, toggle Markdown, et hop, ça devient du texte riche. Oui, t'as les shortcuts. D'autres Ok. questions? Non? Bah, merci. Merci à vous.